Nabo Bunguli Makanisi CCM, Naboyokani ya Ministère ya Finance, pe Ministère ya Budget, Elongona DGI, DGRAD, DGDA, DGRK pe Lisanga ya Bakongoli Mpaku ya Bingumba ya Mboka na Biso, Babongisi Kobanda Mokolo mwa 11 septembre 2021, Kino 11 mars 2022, Kampani ya malendisi pona bufuti mpaku pe bokambi malamu ya misolomi ya leta na etando mobimba ya ekolo Kongo. Poto tonga banzela ya kitoko. Balopitalo ya sika. Pona mapinga oye sengeli. Mai na lotiliki ebonga. Bobola esila pe pona bolamu na biso nyoso. Bandeko bafuti mpaku. Baimboka pe bapaya. Ndeko tata ndeko mama. To senga mi biso banso kufuta mpaku kasi bino pe bandeko bakambi boyangela misolo mia leta na ndenge elongo bani to futa mpaku po to tunga mboka na biso. Thank you.
La coupure du ruban au dévoilement de la par les chefs des institutions ici présents, par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, représentant le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Allô? Bonjour. Voilà.
Monsieur le chef du cabinet du chef de l'État, distingués invités, mesdames, le programme du congrès consacré ce jour à l'audition du discours du président de la République. Après l'entrée du président de la République, bienvenue, qui sera prononcé par l'honorable président de l'Assemblée nationale. La présentation de son discours sur l'état de la nation. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale reviendra avec un mot de remerciement avant la levée de la séance. Enfin, après l'exécution de l'hymne national, le président. Honorable membre, je rappelle que le présent congrès s'est réuni conformément au prescrit des articles 77 et 119.3 de la Constitution. Ceci dit, je demande à l'honorable rapporteur du Congrès de donner lecture de la décision conjointe portant convocation. Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat entendit et signé. Article 1er. L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce lundi 13 décembre 2021 à 10h. Article 2. L'ordre du jour du congrès comporte un seul point à savoir. L'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 7 décembre, sénateur Bat, président du Sénat, Mbosso, Claudia, Kwanga, Christophe, président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Je vous remercie. Honorable membre du Congrès et chers collègues, vous venez de suivre la lecture par l'honorable rapporteur du Congrès de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en Congrès. Cependant, avant d'annoncer les points inscrits, projet d'ordre du jour de notre séance. Vous voudriez bien nous permettre, mon collègue du Sénat et moi-même, d'aller accueillir le président de la République, chef de l'État. Dans l'entretien, je demande aux honorables membres du Congrès à nous inviter ainsi qu'au public. Bien vouloir rester en place. La séance est suspendue.
Nous demandons au public de s'asseoir. Restez calme, s'il vous plaît, au balcon. That's what you... Thank you.
J'ai donc tenu ce jour
au strict respect de cette tradition, à l'instar des deux années précédentes, en vous présentant le bilan de diverses actions menées au cours de l'année 2021 qui s'achève. J'apporte ainsi des réponses et des éclaircissements aux nombreuses préoccupations de notre peuple sur les différentes questions vitales qui touchent à la marche et à la survie de notre nation. Mais avant toute chose, en vue d'honorer la mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés à cause de l'activisme des groupes armés et de la violence aveugle du groupe terroriste des ADF au cours de cette année, je vous prie de bien vouloir accepter d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Je reste fermement convaincu que l'une des plus grandes questions qui taraudent nos esprits, celle que certainement chacun de nous porte comme une écharpe sous la peau, a trait à ce climat d'insécurité permanente et récurrente qui sévit à l'est de notre pays. Ce climat délétère a toujours menacé son intégrité territoriale et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles que vivent les populations de nombreuses contrées de cet espace, j'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes. C'est qui encore ici? Thank you.
sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ce, jusqu'au sacrifice. Répondez aussi à cet impératif. Placer
des Congolaises et des Congolais qui, chaque jour qui passe, réclament plus de garanties d'une bonne et saine administration de la justice. Aujourd'hui encore, sur le banc des accusés, notre justice devait pourtant rassurer tout le monde, nantis ou non, puissant comme faible, en n'ayant pour égard que la protection des droits. Bref, une justice qui non seulement dit le droit, mais rassure que le droit, alors le bon, a été dit. Nous soyons non seulement attentifs aux doléances des opérateurs
prendre en charge avec efficacité la problématique du climat des affaires par une nouvelle approche de suivi, évaluation, jamais expérimentée dans notre système de gouvernance, afin de rassurer les investisseurs. À cet effet, j'ai le plaisir d'annoncer la mise sur pied d'un outil qui va désormais permettre, en temps réel, à moi-même, au Premier ministre, ainsi qu'à chacun des membres du gouvernement concerné, de suivre méticuleusement le rythme de mise en œuvre des réformes et assignations relatives au climat des affaires. Il s'agit en fait d'un tableau bord numérique sur mesure à partir du programme du gouvernement. Aussi, j'invite le Parlement à parachever le cadre légal relatif d'une part à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux de commerce et d'autre part aux dispositions nationales complémentaires au droit de l'OADA. En outre, la rationalisation de la fiscalité demeure la réponse appropriée aux tracasseries souvent dénoncées par les opérateurs économiques. Il faut des réformes innovantes en la matière pour y remédier. Et la ferveur avec laquelle vous aviez, toutes tendances confondues, accepté de répondre favorablement à mon appel de ralliement dans une union sacrée de la nation. Autour d'actions nobles, à même de répondre positivement aux nombreuses et anxieuses attentes de notre peuple, les mêmes attentes malheureusement non comblées depuis des décennies. Permettez-moi de vous rappeler que cet engouement et ce nouvel élan ont permis de mettre rapidement en place de nouveaux bureaux, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et de former les gouvernements actuels appelés à défendre les intérêts de la population. Ce qui a réellement permis de faciliter les échanges et de jeter de réelles passerelles de collaboration entre les différentes institutions de la République. Je rappelle que ce gouvernement de la République a comme principale mission la restauration de la paix et de la sécurité, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, l'amélioration qualitative des conditions de vie de nos populations, la couverture santé universelle, l'application de la gratuité de l'enseignement comme prescrit dans la Constitution et le renforcement de l'autorité de l'État ainsi que de l'État de droit. Je relève aussi que la mise en œuvre, sous mon impulsion, de ces différents piliers est à la base de l'amélioration progressive et qualitative de la gouvernance politique, économique et sociale qui donne déjà des résultats qu'il sied de soutenir. C'est ici pour moi le lieu de saluer la cohésion perceptible autour de l'union sacrée de la nation, en dépit des petites querelles de clochers que je considère d'ailleurs comme des manifestations éloquentes de l'expression même de la démocratie. À la majorité ou à l'opposition, chacun de nous doit pleinement jouer sa partition dans l'amour du pays, de notre peuple et dans le respect des institutions. Je tiens à exprimer le profond respect que j'éprouve à l'égard, en dépit de l'adversité et de toutes les épreuves que nous impose cette marche vers la paix, la démocratie, l'unité, la cohésion, l'état de droit et le peuple social et le progrès social. Honorables députés nationaux et sénateurs, en même temps que je reconnais l'harmonie dans les relations entre différentes institutions au niveau national, je dois malheureusement mentionner que l'année 2021 a fondamentalement été caractérisée par l'instabilité des assemblées et gouvernements provinciaux. En effet,
développement des provinces concernées. Il y a lieu de noter que 14 provinces sur 26 ont connu la destitution de leur gouverneur par des assemblées provinciales. À la suite de ces mêmes conflits, certains présidents des assemblées provinciales ont aussi été démis de leurs fonctions. Il est extrêmement important pour chacun de ces acteurs provinciaux de prendre réellement conscience qu'aucun développement ne peut se faire dans pareil contexte de crise. La prochaine session de la conférence des gouverneurs sera l'occasion de réfléchir autour des pistes de solutions à ces épineux problèmes. Par ailleurs, je vous exhorte vivement à envisager l'amendement de certains textes légaux se rapportant à la gestion des institutions provinciales. J'invite une fois de plus à bloquer le bon fonctionnement des provinces. En commun, le Sénat, en tant qu'émanation, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, j'estime utile d'attirer l'attention de tous sur les préparatifs des prochaines élections. En effet, le processus électoral, avec ses enjeux, oblige que nous nous engagions dès à présent pour des élections que nous voulons crédibles, en écartant les différents obstacles, tant juridiques que matériels, qui en constituent les détenteurs. Mon engagement de faire de la République démocratique du Congo un État véritablement démocratique ne peut se concrétiser sans l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes et dans les délais constitutionnels. Électorale nationale indépendante et pour s'impliquer activement dans le processus électoral. Je rappelle que celui-ci a déjà commencé avec la désignation de ses nouveaux animateurs après consultation des confessions religieuses et validation par l'Assemblée nationale. Afin de parachever la composition du bureau de la CENI, j'invite instamment ceux des acteurs politiques qui peinent encore les pays à désigner rapidement leurs représentants respectifs au sein de ce bureau. J'invite en même temps le gouvernement à mobiliser et à disponibiliser des moyens financiers conséquents pour permettre à la CENI de respecter les délais d'organisation de ces élections afin qu'elles se tiennent effectivement en 2023. Les données collectées à ce jour montrent
sans aucun doute que l'écart en termes de protection des personnes vaccinées contre les formes graves de la maladie supplante les effets indésirables et souvent passagers attribuables au vaccin. Je recommande vivement à la population de se faire vacciner pour se protéger. En plus de la pandémie de COVID-19 et de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, notre pays a été fortement éprouvé par d'autres urgences sanitaires. C'est notamment le cas de l'épidémie de méningite dans la province de Machopo et de celle de Monkeypox, déclarée récemment au Maniema. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour y mettre fin dans le cadre d'une riposte appropriée. Je saisis cette opportunité pour saluer la compétence des scientifiques congolais qui ont fait rayonner notre pays, avec entre autres la mise au point du médicament Ebanga, dûment certifié sur le plan international pour son efficacité dans le traitement de la maladie à virus Ebola. Nous avons connu ces années, et même bien avant, nous ont appris une grande leçon, celle de savoir que pour mieux prévenir et riposter, il nous faut absolument construire un système de santé plus solide et plus résilient pour le bénéfice de tous les Congolais. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de la couverture santé universelle une cause nationale en République démocratique du Congo. Par ailleurs, fortement souhaité par notre peuple. À cet effet, je vous rappelle que nous disposons d'ores et déjà d'une stratégie nationale la matière, d'un cadre de pilotage et de coordination, ainsi que de tous les instruments de facilitation pour son déploiement sur l'ensemble du territoire national. En outre, le gouvernement s'apprête à verser au Fonds de solidarité de santé la contribution pour la prise en charge des indigents, ainsi que de la part patronale de la contribution des agents de carrière des services publics de l'État. Il est temps que la pauvreté et le manque de ressources financières ne constituent plus de barrières à l'accès aux services et aux soins de santé de qualité. Honorables députés nationaux et sénateurs, cette année, notre pays a eu le privilège d'assumer la présidence tournante de l'Union africaine. Dans mon discours d'acceptation, j'avais annoncé mon intention de mettre l'Union africaine au service des peuples africains. Cette formulation m'avait paru conforme au thème général retenu pour l'exercice 2021, à savoir art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Les arts et la culture sont en effet l'expression de la créativité de nos peuples. Au moment où ce mandat tend vers sa fin, je peux dire ma fierté d'avoir contribué à mettre l'Union africaine au service des peuples. J'ai mis au centre de mon action les questions liées à l'albinisme, à l'égalité des sexes, les violations faites aux femmes et aux filles, la lutte contre le changement climatique et la protection des communautés locales et peuples autochtones. C'est dans ce cadre qu'il faut situer la mobilisation des pays africains autour du prochain colloque international sur la reconstitution des biens culturels et la renaissance africaine. La tenue de la conférence de Kinshasa sur l'égalité des sexes en Afrique et l'adoption de la déclaration de Kinshasa sur l'égalité des sexes. La conférence de Kinshasa sur la masculinité positive et l'adoption de la déclaration de l'Union africaine pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, et enfin l'organisation du colloque panafricain de Kinshasa sous le thème « Solidarité africaine pour une Afrique en faveur des personnes atteintes d'albinisme ». Au cours de cette année 2021, j'ai également porté la
la voix de l'Afrique au niveau international, surtout dans le contexte de Covid-19, pour réclamer au profit du continent les meilleures conditions de lutte contre la pandémie et pour soulager les pays africains tombés dans des situations de surendettement à cause des effets de la pandémie. Au sommet du G20 à Rome, au nom de l'Afrique, j'ai appelé les pays participants à concrétiser leurs engagements en faveur de la préservation des forêts du bassin du Congo à travers des financements conséquents. Dans le domaine sanitaire, j'ai soutenu la campagne en faveur de l'opérationnalisation de l'Agence africaine du médicament et, dans le cadre de la lutte contre la Covid, j'ai porté l'ambition de l'Afrique à produire des vaccins sur le continent. Par ailleurs, j'ai réclamé, dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, 4 sièges pour l'Afrique, dont 2 non permanents et 2 autres membres permanents. Toujours sur le plan continental, j'ai été à l'avant-plan de nombreuses initiatives de préservation de la paix. Plus particulièrement, j'avais, dès le début de mon mandat, pris à bras le corps la problématique du différend qui oppose depuis plusieurs années l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan autour du problème du grand barrage éthiopien de la Renaissance. Ces efforts ont permis de créer une dynamique de dialogue permanent. La tenue à Kinshasa en avril 2021 de la première conférence ministérielle sur ce conflit a été un moment clé de cette dynamique. Avec celui d'ouvrir notre pays au monde et de briser son les demandes de l'Australie, de l'Indonésie et d'autres pays ayant des ambassadeurs non résidents sur le droit de l'ambassade. À cette occasion,
vanter une fois de plus les potentialités naturelles de notre pays, mais plutôt de mettre le cap uniquement vers des actions à impact concret sur la vie de nos populations. À cet effet, j'ai clairement indiqué qu'il est impératif de concilier la conservation de nos forêts et de nos tourbières pour juguler la crise climatique avec notre engagement à combattre la pauvreté qui est l'une des causes majeures de la déforestation en Afrique. En effet, avant d'interdire aux Congolais vivants à Monkoto ou à Etou, pour ne citer que ces deux agglomérations, de pratiquer l'agriculture itinérante urbaine dans le but de subvenir aux besoins de leur famille, il est préférable de leur proposer au préalable des alternatives durables. Pour y parvenir, j'ai lancé de manière permanente, notamment avec les pays industrialisés, en vue de mobiliser des financements adéquats. En somme, la République démocratique du Congo ne fait que réclamer des compensations justes et équitables pour sa contribution avérée à la stabilisation du climat sur l'ensemble de la planète. La République démocratique du Congo prône par ma voix la mise en place de prix plus justes des crédits carbone qui devraient se situer autour de 100 dollars américains en lieu et place de 5 dollars pratiqués actuellement. Des engagements de l'ordre de 4 milliards.
ferme volonté de permettre au peuple congolais d'en retirer de substantielles dividendes dans les meilleurs délais. Je reste ainsi déterminé à faire davantage pour un aboutissement heureux de toutes les profondes réformes engagées, notamment dans les secteurs de la justice, de l'éducation et de la santé, en vue d'un meilleur alignement de notre économie aux standards requis de performance. Il va sans dire que cette mobilisation des ressources extérieures thank you.
Loba, Maye a outi Kosala, na 2021. Et à l'obi Maye, Maye, Makambo, Oyo, gouvernement Kosala, na 2021, et 2022, na Makambo, ya 2021. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, qu'est-ce que vous avez répondu? En gros, le chef de l'État a parlé de ce qui est fait pendant son mandat. Il a abordé l'aspect de la diplomatie, l'aspect des infrastructures. Il a parlé de l'instabilité qui se vit à l'Est. Il a parlé, il a mis en exergue les moyens qui ont été disposés, disponibilisés pour apporter des solutions. Et il a aussi relevé là où ça n'a pas marché. Et il a annoncé des perspectives d'avenir. C'est ce qui est plus important. Notre peuple vit dans une misère incommensurable. Et je crois que les initiatives qui sont prises par le président vont apporter un tant soit peu un soulagement à cette population meurtrie. Et il a appelé justement les Congolaises et Congolais à mettre en avant-plan la République démocratique du Congo. Nous n'avons que ça comme colonne vertébrale et il ne faudra pas que les intérêts égoïstes prennent les pas sur l'intérêt général de la République. En effet, il a parlé de la justice et je crois que c'est là où les Congolais l'attendaient le plus parce que la justice, naturellement, devrait être juste et équitable et nous constatons que dans ces secteurs-là, rien ne marche jusque-là. Et le président a frappé du poing sur la table. Je crois que les choses vont s'améliorer de ce côté-là. Merci. Oui, justement, vous savez, le chef de l'État a insisté encore davantage sur le fait que notre pays aujourd'hui est devenu ouvert. Non seulement ouvert, donc il a justifié la diplomatie, sa diplomatie internationale. Et ça ne sert à rien d'être isolé. Et cette diplomatie internationale a produit quelques contrats qui seront gagnants-gagnants, il les a cités. Nous avons aussi noté qu'au niveau de l'énergie et des ressources renouvelables, la RDC se porte comme pays solution. Et par rapport à ça, nous pensons que les retombées seront bénéfiques pour toute la population. Nous avons noté aussi de grands projets pour tous les 145 territoires. Et vous savez que le développement commence toujours à la base. C'est une initiative innovante et une initiative à encourager. Nous avons noté quand même quelques défis à relever en matière du social, notamment l'accès à l'eau, à l'électricité et aussi à l'assiette de la Congolaise. Et il y a encore des défis à relever, donc il faut sanctionner certaines personnes pour que certains projets qui sont en cours puissent se terminer. Nous avons noté aussi le fait que au niveau de la justice, il faudrait des réformes réelles pour maintenir ce pays état de droit. Et nous avons noté des efforts en matière de lutte contre la corruption. Et vous savez, aujourd'hui, nul n'est besoin de vous rassurer que le contrôle est devenu chose courante. Non seulement l'IGF fait son travail, les élus aussi font le leur, et la population surtout. Nous n'avons pas droit à l'erreur. J'ai noté aussi en matière des élections qu'il y aura bel et bien les élections en 2023 et donc la CENI doit faire son travail. Et nous, là, tous les partenaires, il a demandé à tous les partenaires d'accompagner la CENI dans ce noble travail de transparence, mais aussi de viabiliser les élections. Donc c'est un travail à faire en synergie. Et en matière de droits de la femme, il y a des avancées au niveau de l'unité de l'Union africaine. Il a donné le bilan et le jeu de son mandat à l'Union africaine, ce que nous félicitons beaucoup et nous pensons que la RDC aujourd'hui, pays solution, va vraiment bénéficier. Les bénéfices seront directement à la population congolaise et surtout à la population quinoise que je salue en passant. C'est quoi ?
Vos interventions sont très pertinentes. Je vais pas parler. Oui. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, le chef de l'État a fait un très grand discours. Comme chef de l'État d'abord, il a dit au départ que c'était un discours bilan. Il a voulu faire voir à son peuple la marche que la nation a entreprise pendant une année, les réalisations qui ont été faites dans les domaines les plus divers, mais aussi les attentes du peuple. Le chef de l'État a commencé par la question de l'insécurité dans notre pays, et la question de l'Est du pays. Il a dit absolument que le Congo ne peut pas exister sans l'Est du pays, et il a réaffirmé la détermination, celle du président de la République, ça reste encore à faire, pour qu'on soit véritablement un État de droit tel que préconisé dans le préambule, dans le texte de notre Constitution. Le président a évoqué également des questions de politique étrangère. Il a évoqué les voyages, les contacts qui ont été faits pour remettre notre Congo, et il a rappelé en cela, en fait, le préambule de la Constitution qui veut que nous puissions construire au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère. Et c'est l'appel que le père de la nation a fait à travers son discours. Merci. Merci. Comme d'habitude, le chef de l'État, vous personnellement, qu'est-ce que vous avez dit? Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour cette question que vous me posez autour du discours du chef de l'État. Nous l'avions bien suivi du début à la fin. Nous l'avions apprécié. Nous avons applaudi parce qu'il a au moins fait l'autopsie des problèmes du pays. Ça, c'est correct, c'est bien. Mais ce qui nous reste, c'est l'application. Mais là où je suis un peu mécontent, le chef de l'État a parlé des autres provinces sauf les grands Bandundu. Sauf même Cholet ou Kassai Oriental. Non, moi je parle d'abord de la province de Bandundu parce que je suis là élu pour que demain je vienne encore lui amener de la force, des problèmes, des soutiens. Il faut que chez moi, le chef de l'État doit faire quelque chose. Ok? Le chef de l'État ne pense pas qu'il est chef de l'État de partout. Et partout chez moi, là dans les grands bandes, précisément dans les territoires de Fichi, dans la province du Congo, il y a la population qui soutient le chef de l'État. Nous sommes tous dans l'union sacrée. Okay? Mais maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Notre population est là, attend, en train d'attendre les réalisations du gouvernement. Nous-mêmes, nous sommes en train de travailler, mais ça ne suffit pas. Il faut, c'est le gouvernement. Parce que nous ne sommes là que pour, au moins d'abord, contrôler le gouvernement. Mais maintenant, c'est nous qui nous substituons au gouvernement pour faire un petit pont, faire ceci, ceci. Mais nous attendons que le chef de l'État, qui est le numéro un, fasse quelque chose là-bas, ça va nous glorifier. Justement, mais quand il a parlé du social, même la foule a crié que le gouvernement soit sanctionné. C'est votre point de vue aussi? J'aimerais qu'il puisse sanctionner ceux qui sont en train de bloquer, parce qu'il est en train de faire. Mais les réalisations ne sont pas visibles. Moi, personnellement, voici ce que je peux dire au chef de l'État. Les souhaits, j'aimerais que le chef de l'État, ceux qui s'appellent, qui font l'action, le suivi de l'action du chef de l'État, ceux qui font le suivi de l'action du chef de l'État, le chef de l'État doit les choisir selon les provinces pour qu'il ait l'idée qu'est-ce qu'on a réalisé là-bas, qu'est-ce qu'on n'a pas réalisé. Et moi, dans les grands Bandundu, précisément dans le territoire de Fichi, j'aimerais qu'il y ait aussi quelqu'un dans cette équipe-là qui font le suivi des actions du chef de l'État. Ok? Donc, ça serait du bien, mais quand jusque-là, le chef de l'État peut penser peut-être que là, on ne l'aime pas. Nous, Grand Bandundu et les Kassai, nous sommes ensemble. Fichi a vendu des bêtes dans les Kassai. Nous avons connu beaucoup de noms de Kassaïens et Kassaïennes, de Mama Chibouab et les autres. Mais aujourd'hui, nous avons perdu des bêtes sans assistance du gouvernement. Ok? Mais aujourd'hui, c'est maintenant notre frère Kassaïen qui est au pouvoir. Qu'est-ce que nous, Fichi, nous avons déjà mérité? Rien jusque-là. Au moins que le chef de l'État ne puisse pas nous refouler au pied, qu'il pense aussi à faire quelque chose pour le territoire de Fichi dans la province du Kwango. Je vous remercie. Merci, Laurent.
Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez auditionné le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que vous avez retenu? En tout cas, premièrement, je remercie les chefs de l'État pour nous avoir vraiment édifiés dans tout ce qu'on avait comme préoccupation. Personnellement, je dois vraiment encourager et surtout féliciter l'homme fort, le premier parmi, le nôtre, parmi nous, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir épinglé cette affaire-là de l'électricité qui gangrène vraiment l'espace congolais et surtout que tout le monde plaire jour et nuit dans notre pays, qu'il y ait du courant, c'est ça. Je viens de Maniema 6 mois sans courant. Ça m'a vraiment touché jusqu'à ce jour. Voyez-moi, maman Denise est allée à Bazouélé. 6 mois encore, Tchopo, 6 mois sans courant. Mais nous avons un DG et le ministre. Mais l'eau propre, bien traitée. C'est ainsi, je demanderai vraiment au ministre de l'énergie vraiment de tout faire aussi pour aider le peuple congolais de consommer l'eau vraiment finée. Vraiment, c'est ainsi, l'eau traitée est filtrée par la régie des eaux. C'est ainsi, en tout cas, je remercie les chefs de l'État pour avoir ramassé des petites histoires que d'autres personnes ignorent, croyant qu'on cite seulement des routes, c'est cela. Non, on a vécu beaucoup de discours dans notre pays, mais Fatih a fait un discours sans toutefois lire, sans papier. Une première, vraiment. C'est ainsi que je remercie vraiment les chefs de l'État pour avoir vraiment résumé un discours d'une heure, 30 minutes, en tête, sans toucher un papier. On a vécu, on a avec des chiffres. Et vous verrez un président toujours avec des papiers. Mais j'encourage vraiment les chefs de l'État et je demande au peuple congolais de soutenir notre chef de l'État à ce qu'il puisse vraiment réaliser tout ce qu'il nous a fait comme promesse. Parce que ça sera vraiment pour nous une très grande. Établissement à Kataville, province de Kinshasa. Établissement les Greniers, Souka. Établissement les Greniers, Bakoyamba Yokuna, et papa Laurent, na maman nanou. Bapesio Yakolia, Peya Komela. Na établissement les Greniers, Bazoteka, en gros, Peya détail. Na établissement les Greniers, Baprezali, Yapari, Ben à Bruxelles, na établissement les Greniers, les peuples d'abord, na établissement les Greniers, Tinati, na établissement les Greniers, Souka, Souka, Souka Yamakambo.